Bonjour, je me présente Jan van Bellingen avec les prévisions trafic du Touring pour le week-end du 5 au 7 août. En Belgique, la circulation sera difficile avec des bouchons le samedi matin, surtout sur la E40 Bruxelles-Ostende. Des contrôles aux postes frontières avec la France créent encore toujours des embarras de circulation sur la E17, la E42 et la E19. Suite aux travaux sur la E40 Bruxelles-Ostende entre Betteren et Zwenaarde, la circulation sera très embouteillée dans les deux sens. Pour le retour, la circulation sera difficile le dimanche, après-midi et soir. En Europe, nous avons le deuxième week-end noir de chassés croisés devant nous. En France, la circulation sera très chargée le vendredi avec quelques files dans le sens des départs. Partir le samedi, jour noir, est à déconseiller. En direction du sud, la circulation sera extrêmement difficile avec des bouchons monstres partout en France, du matin jusqu'au soir, sur toutes les autoroutes, mais surtout sur la A7 A9 Lyon-Orange-Espagne, la A10 A63 Orléans-Bordeaux-Espagne, la A11 Paris-Le Mans-Nantes, la A61 Toulouse-Narbonne, la A71 A75 Orléans, Clermont-Ferrand, Perpignan et la A20, Vierzon, Limoges, Toulouse. Ne prenez pas la route entre 8h du matin et 20h du soir. Pour le retour, la circulation sera très difficile avec de longues files le samedi entre 10h et 18h. Le sud-est de la France sera le plus touché. Dimanche, jour à circulation chargée avec quelques ralentissements et les meilleurs jours de départ. En Allemagne, le trafic en direction du sud sera très difficile avec de longs embouteillages, surtout dans le sud de l'Allemagne, le vendredi à partir de midi et le samedi toute la journée. Les autoroutes en surcharge sont en direction de l'Autriche, la A3 Cologne, Francfort, Nuremberg, Passau, la A9 Nuremberg, Munich, la A8 Karlsruhe, Munich, Salzbourg et la A7 Ulm, Autriche. En direction de la Suisse, la A5 Karlsruhe-Bâle. En direction de la Scandinavie, les environs d'Hambourg. Les retours seront très difficiles le samedi. Le dimanche, la circulation sera dense mais fluide. En Suisse, en Autriche et en Italie, le samedi est à éviter pour le départ comme pour le retour. Pas mal de bouchons sont à craindre, certainement sur... En Suisse, la A2 Lucerne-Italie avec de longs bouchons avant le tunnel du Saint-Gothard et à la frontière italienne. Les autoroutes dans les environs des grandes villes. La A13 Coire-Bellinzona au tunnel du San Bernardino. En Autriche, sur la A10 A11 Salzbourg-Villach-Slovénie, surtout avant le tunnel de Karawanken. Sur la A9, Linz-Grasse-Maribor, surtout avant le tunnel du Gleinalm et à la frontière slovène. En Italie, sur la A1, Milan-Florence-Rome et la A14, Bologne-Ancône. En résumé, pour le départ, en Belgique, samedi matin, circulation difficile. En Europe, vendredi, circulation très difficile avec de longues files toute la journée. Samedi, circulation exceptionnellement difficile avec des bouchons monstres du matin jusqu'au soir. Jour de voyage à éviter absolument. Dimanche, circulation très chargée avec ralentissement. Le dimanche reste le meilleur jour de départ. Pour le retour, en Belgique. Dimanche, circulation difficile en après-midi et en soirée. En Europe, vendredi, jour à trafic fluide et donc jour parfait pour le retour. Samedi, circulation très difficile avec longue file. Dimanche, circulation très dense avec quelques embouteillages, mais bon jour pour le retour. Vous trouverez des informations plus détaillées sur notre site internet. Bonne route! De nouvelles prévisions suivront la semaine prochaine.